Et il y a tout le monde, c'est Bakanexan en live et heureux de vous retrouver pour une nouvelle session de Star Citizen dans laquelle aujourd'hui je me suis dit qu'on pouvait aller faire du Razmod sur une lune autour de Crusader ou n'importe en fait. N'importe quelle destination serait intéressante pourvu que ce soit pas Arcorp. Parce que Arcorp c'est chiant, il y a des immeubles, c'est bien, on peut tourner virer, mais on peut pas s'approcher du sol, on peut rien faire de très, je sais pas. Arcorp j'en ai fait un peu du vol entre les immeubles, j'aime pas trop. Puis après on pourra toujours éventuellement aller se faire un petit peu de mission de bunker. J'en ai pas fait la dernière fois. J'aurais voulu en faire un peu, mais bof, je sais pas. J'étais un petit peu ailleurs. Enfin, je faisais d'autres trucs, quoi. Ouais, je faisais un peu de chasse à la prime tout en discutant avec les copains. Donc c'est pour ça que j'ai dû oublier au bout d'un moment. Le chat débile avec un poisson rouge dans la tête. Bon, hop. Plongeons dans un système Stanton. Évidemment, on est toujours sur le Discord de l'Orga, donc si des poteaux passent de ci, de là, il y aura des discussions, des débats, éventuellement de la coopération pour faire des trucs. Mais là, pour l'instant, on est tout seul. Excusez-moi, je m'étire. Je m'étire même un peu trop. Mais bon. Je crois que j'ai oublié de faire quelque chose chez moi, je reviens. Oh bah non, j'ai cru. J'ai cru. Cat Sunboard. Alors, meilleure image pour commencer ce stream. Cat Sunboard. Alors, comme d'habitude, ces lits sont un petit peu bizarres, donc il faut lie down et ensuite get up. Parce que si on fait pas un lie down avant, le get up, il est pas là. Me demandez pas pourquoi le mysticisme des... Bon, heureusement, je vais pas rester sur cette planète, mais ça va être un peu chiant. Alors, je m'excuse par avance, hein, ces espèces de machins violets qu'on voit ne sont pas de mon fait. C'est un bug qui m'est déjà arrivé. C'est très moche, c'est très handicapant. Hello, heureux. Heureux. Et bonjour. Toujours sur la 3.8, Odeis? Là, non. Je suis en train de manger mon yaourt. Après, je vais refaire un saut. Ouais. Et alors? Est-ce que c'est bien? Ouais. Ouais. C'est un petit peu... Ouais. La 3.8, c'est un petit peu Star Citizen qui te dit « Dis-moi, est-ce que je suis beau ?» Ça va pas, hein. Mais ça n'est... J'ai jamais prétendu être bien dans ma tête, hein. Je constate. Mais oui, il faut voir encore des bugs ici et là, quoi, mais... J'espère que demain matin, il ouvre... au moins la vague 1. Ouais bah entre guillemets j'ai encore quelques jours avant de pouvoir jouer parce qu'à mon avis la vague 1 j'en fais pas partie. T'es pas subscriber ou concierge? Non. Ouais, c'est vague 2.
Alors, par contre, c'est très agréable. J'ai encore cette espèce de chape violette là sur Arcorp. C'est magnifique. Ah, exactement. C'est... Ne mets pas tes doigts dans la porte. Tu risques de te pincer très fort. Vlan. C'est un peu ça. Ça va, n'empêche, j'ai jamais eu à attendre le tram très longtemps, moi. C'est dingue. Une vingtaine de secondes tout au plus. Si seulement ça pouvait m'arriver dans la vie. Qu'est-ce que c'est moche. Now arriving. Alors, c'est par où Bordeaux? Obey all security and customs personnel at all times. Their job is your safety. C'est marrant, il y a toujours les bannières de l'expo. Ah oui. On peut toujours aller au bâtiment d'ailleurs. Je sais pas, j'ai pas regardé en passant. Ouais, bah, quand je vois les grosses plaques violettes, j'ai pas envie de faire Dark Corp ma maison. For the latest travel information, be sure to check the departure and arrival boards conveniently located throughout the spaceport. Quand je pense que d'ici une semaine ou deux, il va falloir refaire le farming. Oh. C'est ça qu'on aime. Non. Ah, après, si tu fais tout et n'importe quoi sans te soucier de l'équipement de ton vaisseau. Oh, j'ai regardé combien ça coûterait pour upgrade un freelancer avec à peu près tous les meilleurs équipements disponibles.
Je sais pas, non, je crois que c'était. C'est pas un dur, je sais plus lequel c'était. Je crois que c'est celui de transport, le max, je crois. Là, ça coûte environ 300 000. 360 000 crédits, je crois. Oh, ça va encore. Oui, c'est pas comme si tu cherchais à équiper. Oui, mais c'est pas comme si tu cherchais à équiper un constellation, on est d'accord? C'est plutôt pas très loin, la taille des modules, c'est. Je sais pas. Un peu plus gros le constel, mais c'est pas non plus beaucoup plus gros. Le constel, c'est minimum du taille 2. Hein. Bon, après, si tu veux pimp tes tourelles, là, ça commence à taper. Si tu veux mettre du balistique sur toutes les tourelles que tu as. Ne serait-ce que l'armement de base, ne serait-ce que l'armement de base du constellation. Ouais, j'avais mis que des Gatling sur le. Ah bon, il y a. Murad, écoutez, 1 500 000. Ça devait piquer par contre. Ouais. Ouais, c'était beau surtout, parce qu'il y avait tout le monde aux tourelles, c'était fantastique. Presque des traits continus de balles. Launch complete. Évidemment qu'on va visiter Gen, au Vnul, t'es l'une des trois planètes disponibles. Forcément, on va revenir te voir. Bientôt 4. Oui, bientôt 4. Du coup, on n'ira plus le voir. J'espère qu'ils vont faire en sorte que Crusader soit un peu plus logique, dirons-nous. C'est-à-dire avec les. Il me semble que pendant un moment, elle avait eu des nuages qui bougeaient d'ailleurs, Crusader. Bah ça viendra, faut qu'ils fassent la technologie des nuages volumétriques. Et ouais. Là, ils pourront s'y atteler. Ouais, normalement, elle tourne tout doucement sur elle-même. Ça doit toujours être le cas, hein, mais bon, c'est du placeholder, clairement, c'est pas bon. Oui, il me semble que pendant un moment elle tournait mais avec les nuages qui allaient dans des sens contraires des fois. Et il y a un moment quoi, c'était juste un vieux PSD nul qu'ils avaient dû animer. Alors. Tempête de neige. Oh mon dieu, ce que c'est moche la planète vue d'en haut quand t'as les grosses plaques violettes. Depuis qu'ils ont arrêté de caper la vitesse. Quant à les trains d'atterrissage sortis, j'oublie tout le temps de les ranger. Ouais, ils se rangent tout seuls si tu fais un quantum. Oui, mais j'oublie j'oublie quand même. si je fais pas de quantum.
you. C'est vrai que je paramètre des boutons pour le G5, pour le G-Safe et des trucs comme ça. Pour activer, désactiver le G-Safe et... Ouais. Il n'y a plus le Comstab. Le SP, surtout le SP, ça c'est... Celui qui fait que tu as ton nez qui se dirige automatiquement vers le pointeur de ta cible. C'est super lourd. Alors, ils ont remis un bouton qui marche, qui permet de désélectionner une cible. Alléluia. Ça c'est bien. Franchement c'est bien. Ça donne envie de construire une cabane dans, dans les bois, dans la neige, là. C'est assez génial. Tabarnak. Ah ouais, c'est vraiment bluffant. Mais on peut rien faire. Si au moins il y avait des trucs à amasser, même des brindilles, des cailloux, des trucs. Juste des trucs. Ah, c'est pas mal ça. Alors, il faut savoir qu'il y a une lune Dark Corp. Si tu te balades, la lune blanche là, glacée, si tu te balades à 1200 mètres seconde, tu cuis. Ah oui, oui, oui. Le cône d'entrée atmosphérique qui réapparaît. Ouais. Non, non, qui apparaît. Moi, il n'est pas apparu avant. Oui, il apparaît que comme ça. Ouais. Ouais. Il apparaît que quand, quand tu fais du Razmoth. T'es en Razor, non? T'es en quoi? Ah, moi, je suis en Gladius. Ouais. Ah non, ah, aïe, 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 aïe. Mais, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Ah bah oui. Quand on laisse la touche C activée, forcément au bout d'un moment. Alors j'ai essayé un petit peu le découpler, mais j'aime pas. Ah, c'est chaud à prendre en main. C'est pas ça, c'est surtout qu'il faut tout le temps accélérer. Pour récupérer la courbe, ouais. Non, si tu veux avancer, il faut strafe en permanence. Il faut strafe vers l'avant. C'est que du strafe, ouais. Ah oui, mais c'est... Moi j'ai une poignée des gaz, c'est pour mettre la poignée des gaz et pas m'occuper de savoir si... Alors il me semble qu'avec la manette de gaz, maintenant tu peux coupler, le découpler et une manette de gaz.
C'est-à-dire l'année de gaz marche normalement et tout le reste fonctionne en découplé. Il me semble qu'il y a moyen de combiner. Notamment pour réussir à se mettre à zéro sans trop de difficultés. C'est énorme. Putain, je suis mort. Waouh, explosion. Ça fait peur. Un caillou invisible. Ah, moi c'est. moi c'est les. Moi c'est les astéroïdes. C'est les astéroïdes qui se cachent. Dans. Autour de. Un truc comme ça. Fouf. Non, mais c'est... Si t'as une mission, peut-être. Mais si t'as pas de mission, c'est peu probable. Parce que moi, en fait, c'est les astéroïdes qui se cachent sur la trajectoire entre toi et ta prime autour de Delamar. Les miennes alors. Ouais, de temps en temps ça vaut le coup de les faire pour entendre ce qu'ils ont rajouté, il y en a des belles. Ouais, pareil, moi j'ai tendance à les couper quand ça me gave. Déjà j'écoute toujours depuis le début les musiques de combat. Alors on prend quoi? Ah bah ouais, merde, faut que je clé. Ah c'est con. J'ai expédié, allez, je vais attendre. Une minute 20, ça. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. T'as bien? T'as bien? Oui. Ça va, ça va. Vous êtes in game ou pas du tout? Moi, oui, mais Odéis, voilà, lui, il fait cavalier seul. Ok. Bon, je vais t'ajouter Baka parce que j'étais pas normalement. Et il me semble que moi non plus. Aïe! Décidément, le Gladius est un vaisseau solide. Se prendre des gadins à 339 mètres secondes et rester toujours à peu près entier. Tout va bien. Tout ceci est normal. Ne vous en faites pas, je suis un professionnel. Ah, mais pourquoi j'ai... Cosans, c'est tout pareil? Oui. C'est bizarre, ça n'a pas marché. Baka, c'est peut-être moi qui m'a dit. Alors, San, mais Baka, ça suffit. Non, mais c'est juste. Pas de contact. Ça va pas.
Donc. Quasiment 42,5 millions de kilomètres. Oui, c'est parce que moi je suis en jeu là, je vais aller me poser sur sur Port Olisar et ensuite je vais rajouter. C'est toi c'est pareil? Ouais, tout pareil, ouais. Ok. En attendant, je vois qu'elle ah ouais, ben non, je vais attendre que tu arrives. Parce que sinon il y a Silent XL là qui est sur un serveur 36 sur 50. Groot qui est juste en dessous là sur Channel d'ailleurs qui est in game. Je s'appelle. Moi de mon côté je dois être à Hearthstone. Non, non l'Orville, je dis une bêtise. Ah, c'est Hearthstone, tu m'iras. J'arriverai vite sur Olisa, je prendrai un gros ship. Pourquoi pas? T'es parti pour quoi ce soir? Toi, t'es sur Je du faisais Hyperthrite? plus ou moins un peu tout ce qui me passe par l'esprit, mais essentiellement du Razmot. D'accord. Donc je suis absolument fermé à rien. D'accord. Moi, j'étais parti pour casser de la. Ou tente du métal, j'ai acheté tout à l'heure le Retaliator in-game et bah, j'ai pas eu le temps de le tester, il a fallu que je me déconnecte, donc je l'ai même pas fait pop rien. Non, bah J'ai dans ce oublié cas, on peut aller d'appeler. sur Delamar. J'ai bien torpillé la gueule à quelqu'un. Si on tombe sur un Hammerhead. Ouais, ou Caria, hein. Il y a du criminel endurci là-bas. En général. Les gars, il y a un vaisseau qui arrive. Les gars, c'est pas un vaisseau, c'est une grosse torpille. Les gars, il y a un chasseur qui arrive. Non, non, c'est une torpille, quoi? Ah. Ça va raccrocher. Ça va trancher, chérie. Mais non, ça va couper, ça va couper. Marc, ça doit être Blop. frustrant ça. T'es entouré, tu vois, t'es avec un mec entouré et tout. Tu vois même pas l'ennemi arriver et boum, personne. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a une torpille qui nous regarde. Quoi? Sais même pas combien il y a de torpilles totales, de pas en avoir beaucoup. 6. Si, ah, quand même. 6, mais ils ont dit qu'ils allaient augmenter. Oh là là. C'est bien. Maintenant, en plus de ton bras, il faudra que tu vendes aussi ton rein pour le recharger. Ah oui. Ah ça va de pair, hein. Mais bon, Parce que ça c'est va être quoi? C'est du l'objectif. 6-7? Je sais pas. J'imagine que une torpille égale un ship. Oui, Même non, quand mais ça je va veux être dire un ship, je sais la pas. taille de la torpille, en fait. Ah je sais pas.
Je vais vite le savoir. Si c'est... Tiens, bah, remarque le temps que tu te poses, je vais regarder ça. Oh oui, là je suis à 26 millions, t'as le temps. Ah mais t'es à 26 millions, ah j'ai peut-être le temps de pop alors de sortir et... Parce que moi aussi il faut que je fasse le trajet du coup. Ouais, ça vaut peut-être le coup quand même que je... Que oui, je... fais-toi plaisir. Alors, pour revenir à nos moutons, le chip. Je me demande si c'est pas les tailles 9. C'est possible, hein. Parce que je vois que... In-game, on peut acheter des tailles 9. Alors, il y a les tailles 9, c'est les tailles 9, ouais. Les ouais. IM, IR et SS. Trop de connaissances dans cet homme. La force est là en lui. Oh, me parle pas de la force, j'ai fini Jedi Fallen Order récemment. Il est pas mal, hein. Ah, il est... surtout la forteresse inquisitoriale, quoi. Moi, j'ai rien vu, hein. J'ai bien fait... oui, vas-y. J'ai trois enfants et c'est le... c'est Jumanji qui est primé, si tu vois ce que je veux dire. Ah, oui, non, mais moi, je te parle de Star Wars Jedi The Fallen Order, le jeu vidéo. Ouais, j'ai bien aimé avec le clin d'œil à la fin. Ouf. C'était chouette. Tu sens tellement la puissance quand il s'attaque toi, quoi. Bas. Ah, serré, elle prend cher un petit peu. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut, Tetra. Comment il va? Bien, mais faudrait que je te vois après. Oh, faut que j'arrête de faire ça. Lui, ça m'arrête, mais il me manquait un peu de sous. Je comprends bien. Non, mais c'est pour la bonne cause, c'est pour m'entraîner à piloter des vaisseaux de grande taille pour la corporation. Tu vois, c'est vraiment, tu vois. Eh ben, utilise une constellation comme tout le monde. Non, mais c'est pas ça. Grande taille, on a dit. J'ai un nouveau surnom depuis. Pas si longtemps que ça. Ah oui, Mr. Big. Le banquier. Le banquier. Bon, ça va. Eh, pas cher, je t'ai fait pas cher, t'en fais pas. Je distille plusieurs millions à qui veut. Il faudrait juste 14 millions, tu vois, j'en ai gardé un de hier. Juste. Oh, mais c'est pas un problème, hein. 14 millions, no problème. Une paille. C'est juste une petite pièce. Si un membre de la plèbe. Je suis passé à 80, et là j'ai pas grand chose, je suis à... Ah oui, là j'ai pas grand chose, là je suis à... T'es un farmer chinois en fait. À 200 000, mais tu veux 13 millions, je te les farme. Allez, 15, comme ça il m'en reste un de réserve, et je suis en train de me connecter sur ton serveur, tu vois, hasard et place. GG en tout cas, c'est une belle performance. Ah, c'est qui parle? C'est Odilis? J'ai l'impression que j'entends pas bien. Bah, je disais bravo, c'est une belle performance. Ouais, je sais pas grand chose. Ah ouais, d'accord.
Et tu, mais en fait, mon bug, il a empiré. Avant, j'avais 15 pierres par 15 pierres. Maintenant, c'est 450 pierres par 450 pierres. En fait, quand je vais à Olissar, c'est une vente à 2,5 millions. C'est mon plus gros record. C'est quoi ça? Et je le fais ça toutes les 10 secondes. Je suis un peu, hein, prends tout mon temps. Hein. C'est fou. C'est pour ça qu'il m'appelle le banquier. Ouais, tu profites d'un exploit. Je te commande un petit café. Ouais. Oui, mais attends, comment tu veux sinon? C'est pratique. C'est à cause de ça qu'il y a des wipes, hein, aussi. Ouais. Mais bon, c'est bien. L'autre jour, j'ai fait un beacon cool. à un mec de l'orga. J'ai voulu faire un beacon à 10 millions. Et il y a un type qui l'a chopé, en fait, sur le serveur. Tu m'étonnes. Hier aussi, il y a un type qui a chopé 3 millions et il me fait merci, le banquier de l'UEC. Truc de fou. C'est happy, je sais plus ce qu'il m'a mis, happy, genre joyeux Noël. Je lui dis, fais-en bon usage, c'est pas très grave. Il pensait m'avoir volé, je m'en foutais. Ça représentait seulement 10 secondes. C'est fou ça. Tiens, prends donc ta pièce, membre de la plèbe. Oui, du coup, bah. Ouais, du coup, dans le mec. En fait, au début, j'ai commencé en achetant un ou deux seulement, histoire de, tu vois, de les découvrir. Et en fait, j'ai l'Eclipse, le Gladius, le Retaliator, le Sabre, le Vanguard Arminger, l'Hospital, le Gladiator, le Hook, le Hornet, le Hurricane, le Valkyrie. Acheté. Ah oui, acheté. Allez. Un argot, parce que j'avais envie d'acheter un argot. Un buccaneer, un caterpillar, un blade. En fait, je les ai tous testés. Moi, je suis en train de tous les tester un par un. C'est le mec qui te montre son garage, tu vois, une Ferrari, une limousine, un gros pick-up américain, puis au milieu, tu vois une Dodge. Bah, l'argot, ça m'a amusé de l'acheter justement. Et je disais, tu vois, l'autre jour, il y avait l'event avec les mines qu'on a fait. Et on devait se déplacer d'une mine à une autre si on attaquait. On aurait dû utiliser des argots. Ça aurait été très RP, en fait. On n'y a pas pensé. Il est fait un peu pour ça. Ouais. Eh oui, il peut pas quantum, il peut juste... voilà. Ah ouais, quand je disais que c'était une doche, c'est même presque pire que ça, quoi. Ah oui, le seul vaisseau qui a pas de canon. Et quand tombe pas, il a même pas de. Parce que j'ai essayé, je pouvais pas, je sais pas pourquoi ça marche pas. Ah merde, non. C'est juste c'est un truc de sol en fait. C'est le petit snub fourni avec les vaisseaux capitaux en fait. C'est ça. C'est le machin qui est juste bon à transporter des troupes en atmosphérique et à faire du cargo, à charger les. Je sais pas parce que tu sais quoi, c'est 2 CU je crois le truc. C'est. Il va être long. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, je vais vérifier ça parce que je suis même pas sûr que sur la façon de transport de troupes, enfin, transport, je suis même pas sûr qu'il y ait de la place. Cargo. Si, t'as un siège dans le. Non, cargo 0. Il a 0. Dans l'argo C. T'as l'argo P, le MPUV. C'est le C ou le P que t'as? C'est le P avec personne. MPUV transport. Transport. Oui, t'as 6 sièges ou 8 sièges à l'arrière. Ça. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, ça, c'est le transport d'équipage en fait. Et du coup, c'est exactement le même module d'évacuation du Javelin. Et mais t'as l'autre version qui a un cargo. Faudrait que je l'achète. Ouais, mais c'est tout petit, c'est de 1 ou 2 SCU avec un siège quand même dedans. C'est une petite cabine fermée à l'arrière en fait. Ouais, une cabine comme le Titan, comme le Stalker quoi, presque. Plus petit, beaucoup plus petit. Oui, non, je te parle du. Tu sais, quand je te parle du Stalker, c'est celui qui est fait pour faire le transport de prisonniers. Ah, mais là, la salle est grande derrière. Là, L'argot, c'est une boîte à sardines. Hein. Oui, mais moi je te parle des machins qui sont collés au mur. C'est le truc qui doit faire un mètre carré au sol. Les prisons, ouais, les caissons. Oh putain, le vent. Je suis en pleine tempête. C'est un truc de malade. Ah, toi, t'es sûr. Hein.
Ah ouais, ça, je sais pas combien vitesse là, c'est... Hier soir, j'ai les mecs, les mineurs et tout, je leur ramasse le minerai, donc ils me remontaient tous les minerais, et puis je leur stockais sur le vaisseau et je leur ai tout vendu. Ouais, et t'as eu combien en fait quoi, avec 4 caisses. Hein? Je sais pas, t'as fait combien? Non, mais j'étais ah ouais, là. Justement, alors attends, t'as fait combien de gars? Ouais, mais attends, justement, donc on arrive et tout, je vends tout, et si je leur dis, bon, ok les gars, donc notez, 2 056 000, puis c'était là, genre, ah ouais, c'est bien et tout, classe. Et maintenant, je garde tout pour moi. 1 957 000, et là, c'était quoi? Voilà. C'est dingue. Ouais, c'est non, ça a fait quoi? 70K, je crois, la sortie. Ça a rapporté 70K à la grotte. Et du coup, après, ce matin, cet après-midi, il y a un mec qui fait, mais comment t'as fait pour avoir quasiment 2 millions et tout? Je fais, bah, j'ai demandé à Spock. Voyons. Mais comment il fait, lui? Faut pas le dire, mais je crois que sur Daymar, il a un petit bout de... Il a 2-3 filles qui bossent pour lui, et 3 PNJ. Bon, là, c'est vrai que je suis un peu à sec, mais laisse-moi arriver à Port-Lissa. Dis donc, s'il y a que 2-3 filles qui bossent pour lui, on peut dire qu'il y en a des kilomètres de queue. Hein. Putain, je sais pas où je monte déjà. J'ai un chip, je m'en rappelle jamais par où monter. C'est con. T'avais déjà fait de la nox dans l'espace? Ouais, pas plus tard qu'hier. C'est l'espoir de riche, tu fais n'importe quoi. Bah, je rate la soute d'entrée du cutter. Elle est à l'avant ou à l'arrière? Sur une planète avec une faible gravité, j'ai pris une putain de butte et j'ai coupé j'appuie sur la touche V. La moto elle est partie à 260 mètres en l'air. Mais elle est montée à la verticale. Hein. Bon, la chute a été mortelle par contre. Une époque où quand tu sautais. Yeah.
Mais arrête, tu t'es perdu en allant tout droit? Hein, quoi? Ah. C'est pas grave, je suis dans le même serveur que toi, donc. Mais non, arrête. Ah, parce que je t'avais invité pour pouvoir qu'on se rejoigne. Bah non, je crois pas, si on est sur le même... Oui, bah alors refuse, comme ça on est tranquille. Je suis dans le même serveur, mais c'est parce que j'étais en dehors du serveur quand je t'ai invité. Ça. Je réclame des verres teintés à corps et à cri. Juste pas avoir cette putain de lampe torche dans la tronche. Quand tu regardes le soleil. Chez qui il vient d'y avoir un crime là? Mais quelle raclure! Pourquoi t'as pas pris un vaisseau plus rapide? Si le constellation, ça va encore, c'est juste que c'est un veau, quoi. Enfin, et j'allais dire, entre un gros machin et une chips, tu focuses quoi en premier, toi, pour être tranquille?
Même l'Aurora est plus puissant que ce truc. Non, 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 on s'est pas compris. Même l'Aurora est plus puissant que ce truc. N'importe quelle version. Mais encore. Oui. Le fou. Oh, mais. Par contre, je sais pas, j'ai pas l'impression d'être sur ton serveur en fait. Oui. Bon, je vais faire exit tout menu, oui. Ok. Je vais quitter le jeu parce que quand j'essaie de rejoindre le serveur d'un ami, il me fait undefined. Non, merci monsieur. Avec moi, je crois. Après, quitte le groupe, hein, comme ça au moins on refait les choses propres. De toute façon, j'avais quitté le jeu. Un peu, il me semble. Oh, largement. Alors. Oh, je suis en train de chercher le tétra. Il est où maintenant? Ah, serveur full. Cruel. Heureux. Au pire, dès que j'arrive, je me déco, on va se regrouper, ce sera plus simple. Ouais, pas de soucis. Tétra, tétra, en attendant. Ah bah oui, attends, tiens, en attendant. Hop, Bon, cancel, du coup, go je back. teste le F7C. Je suis Tu pas peux fan. t'envoyer l'invitation à Game tétra. Fighter, là, je suis pas fan. Voilà, comme T'as ça, reçu Tetra, ce l'invitation? sera fait. Super Hornet, t'es bien. Ouais, c'est bon. Ouais, je te vois. Le Super Hornet est un vaisseau militaire. Normalement, on ne Non, devrait pas y avoir mais accès. c'est pas un vaisseau militaire, c'est le F7CM. C'est la version civile du F7A. Ah, d'accord. Donc il a moins d'armement. Normalement, c'est des size 4 qu'il a, la version Ouf. diesel. C'est carrément plus puissant. Oh. Non, mais attends, genre, ça va de pouf pouf, ça va de dessous les ailes jusqu'à après le nez, quoi, sérieux. Ouais, les versions militaires de ce qu'on a sont beaucoup plus belles. On en profitera dans Squadron 40, toutes ces chiffres. Bah, si on a des Gladius avec des tailles 4, moi je prends. C'est possible qu'ils soient mieux armés, ouais, je sais pas. Je sais que le F8 ça va être pareil, ça va être un truc bardé de canon. T'imagines la version militaire du. C'est le Super Hornet qui a une tourelle, non?
Il a une. Tu peux être à deux ou tout seul dedans. Ça dépend. Mais il a une petite tourelle qui est slave pour le pilote. Ouais. Mais il me semble qu'il n'y avait pas un modèle qui avait une tourelle où il faut un opérateur. Ouais, c'est le Super Natua qui est. Oui, voilà. Donc le t'imagines le t'imagines la version militaire du Super Hornet quoi. Il doit lui falloir un sacré générateur quand même. Alors, tac, sauvegarder. Je suis full équipé. Chargeur, arme. J'ai 50 medic pen, tout va bien. Dernière fois que j'en ai acheté, il m'a autorisé que 7. Salaud! Ouais, mais. Même aussi, hein. Il faut aller à. C'est Grimex, je crois que tu peux en acheter beaucoup plus. Mmh. Wolewski, je sais plus, il t'autorise genre une vingtaine. Quand j'ai vu ça, je fais. J'achète tout. Shut up and take my money! Tu parles, ça représentait une broutille. Ah non, non, oui, c'est vrai, toi c'est plutôt. Tiens, membre de la plèbe, je te paye pour ton travail. Tiens ta pièce. Moi, je préfère plutôt le mec, c'est membre, éminent membre de la plèbe. C'est le mec qui non seulement il te considère mal, mais en plus il te le fait sentir jusqu'au fond. Bon, je vais arriver à PO. Question de seconde. Là, je suis là. Pardon. Il faudra que j'aille faire l'Arena Commander un jour, histoire de voir ce que ça donne. T'es jamais allé ou il y a fait longtemps? Non, non, j'y suis jamais allé, je crois. J'ai fait du free fly pour regarder certains vaisseaux, mais. Au début, il y avait que ça, donc bon. Il y avait que ça. C'était le stade supérieur du hangar, le free fly. Attends, c'est la révolution quand c'est arrivé. Ah, mais j'imagine. Sur le serveur, il n'y a personne à Payao à part Tetra. Ils sont tous barrés, ils ont eu peur. Il n'y a pas une seule signature. Pas un Chyprien. Ils sont tous sur la 3-8. Mais il y a du monde sur votre serveur quand même, hein. Vous êtes 50. Ah oui, oui. Vous êtes full. Je peux pas rentrer, vous êtes full. Je suis en phase d'approche, je me pose là, je suis en train de. Mais de toute façon, Ash, qu'est-ce qui dit qu'on veut de toi? Ah, ta voix suave, mon petit cochon. Je vais me poser. Oh. Je vais quand même faire la demande. L'autorisation, même si c'est tout vide. Oui, sinon tu vas te choper du crime stat, arrête. Hey, les tickets de parking, ils rigolent pas dans Star Citizen. Hein. Tu te gares mal, bam, en tôle. 250 AUC. Et hier, Slowhead, le pauvre, il a pas eu de chance. Il avait de la crime stat. On va tous à Caria. On s'enlève notre crime stat tranquillou. Et c'est son tour. Et on avait sécurisé les zones, on était 4 quand même. Il y a un type qui a déboulé qui l'a tué. il revient à Caria, on recommence, on attend. Et ben le type il était caché quelque part, et qui est mort, slowed encore. On a cherché le type un paquet de temps, on l'a pas trouvé, on s'est dit bon, en fait quand il est parti, ça va le faire. Il relance une autre carte et là il y a PNJ qui débarque, il se fait fumer par le PNJ. Ah, il était au bout, ouais. Attends, c'est que là, tu perds tes crimes stats? Non. Oh, putain. Et en fait, il avait besoin d'enlever les crimes stats pour pouvoir avoir le beacon que j'allais lui faire. Sans ça, le pauvre, il est reparti, il avait pas d'argent. On a passé plus d'une heure à ça. Le pauvre. Alors Tetra, je suis. Ben, on va se déco là, non? Je suis posé. Ok. J'ai même oublié d'éteindre les moteurs. C'est moche.
Tout ce fuel pour rien. Ah. C'est pas du fuel, c'est de l'hydrogène. Ouais, mais ça coûte pas cher. Et vu que c'est de l'hydrogène, ça pollue pas. Ouais, ça fait de l'eau. T'es en train de mettre plein d'eau dans l'espace. On se déco si on est là tous les deux. Ouais, moi je me suis déco, là je suis en train d'arriver sur le menu. Alors, ah, je suis pas chimiste, hein. Mais j'ai l'impression que pour faire de l'eau, il faut aussi de l'oxygène quand même. Ah, en fait, c'est ce qui. C'est... Ouais, je peux grouper. Attends, je. Ah, bah, ça y est, je t'ai envoyé l'invitation. Bah, ah. Je vais pas arriver. Je suis sur le menu. Baka, tout simplement. Baka, embête activité... pas. H, donc c'est. Non, c'est pas fait. Si, c'est fait. ODIS. Non, on recommence, s'il te plaît. Ah oui, c'est un 3-8 serré. Ouais, je vais faire repart là. Bon, bah. Tout le monde est. On recommence. Report, ban. C'est lequel qui veut que je recommence? C'est H. H. Ah, je vois que t'es pas dans la partie. C'est bon. Donc, vous êtes tous OK. Mais c'est cool quand même, avec le rétaliateur que tu vas sortir, on va pouvoir déclencher le feu et l'enfer, quoi. C'est un peu le but. Un pilote, trois artilleurs. Ah, mais il se pilote plusieurs? Ah bah, le pilote, il a pas d'arme. Hein. D'accord, je savais pas. Bah, moi, ça, c'est un truc que j'ai testé, justement, quand il y avait... Aegis. Quand il y avait Aegis, j'ai pu sortir, j'ai loué le rétaliateur quand il y avait l'expo. C'est un des trucs que j'ai testé, tu vois, je me suis dit je vais tester le vaisseau, tranquille, on va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. J'ai appuyé sur la gâchette, rien. J'étais là, D'accord, pas de plusieurs, ouais. Quelle structure? Je sais pas, là où je suis, parce que je suis en train de m'équiper de mon sac magique, histoire de faire un peu de monnaie. Ouf, un peu de thune. T'as aussi la petite la voix du monsieur de Noob là. Vous voulez voir ce qui va se passer? Ça parlera peut-être. Je vais le streamer. Si vous voulez voir ce qui se passe. Oh. Jouer et regarder. Le mec il stream comme moi, mais lui est-ce que c'est professionnel? Alors. C'est quelle structure? C'est quelle structure? On est en C. En C, ok, je saute. C'est FR Spock, je suppose. Ouais. Donc là, j'ai dehors. Comme j'ai 9900 aphorites dans mon sac. Vente. Il me propose 1,5 million. Ouais, c'est bon, je te fais pas chier. C'est marrant, je te trouve. 1 million 5 vendu. Ouais, mais c'est bizarre, attends, parce que mon stream il a pas l'air de vous passer. Ah, si, ça y est. Donc là, je me dis, bah allez hop, attends, je vais vous montrer. Donc là, mon stream il a l'air de fonctionner. Mais c'est. Mais même de toute façon, je trouve pas la chaîne. Que le stream fonctionne ou pas normalement. Ouf! Ça fait tellement mal, Pulsar 42 qui stream, il y a 5 viewers. Non, mais c'est sur Discord, le bon stream. Ah, d'accord. Alors, en direct. Donc là, ça a bugué. Bah, je vais vous laisser découvrir. Mon sac a bugué, donc je suis à combien? Attention, ça, je vois que j'ai 13 000... Ah oui, quand même. 13 000, voilà, regardez bien ce que ça propose. Donc vente. Ah. Oh, 2 millions. C'est... 2 millions 58 750. N'as-tu pas honte de profiter de tant de bugs? Et on regarde bien, attention. Oh, 2 millions 200 sans rien faire. Bah, tiens. 15. On va te dénoncer. Non, les gars, s'il vous plaît, faites-le chier quand il aura fait encore 15 millions. Après, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. C'est fou, ça. J'ai 20 millions là. Ah, bon, regarde, je reviens là. Je regarde mon sac. Ah, 1300. 1008.
Allez, on va faire un chiffre bâtard, au pif. 4000, hop. Ah donc en fait c'est RNG. Regarde, bon, là je suis, c'est une petite somme, 600 000. Ah oh oui, la petit bras, la petit bras. Bon, à 137 000, tu vois, c'est tout petit. Mais bon, regarde là-haut. Hein. J'étais pas millionnaire. Ah, ouais. Viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je me fais pas chier, je vous rejoins en EVA. T'as peur, je suis en train de truc. Coucou. Tu veux avoir mal fit? Ah oui, putain, tu m'as rentré dedans. Shift pas. Ferme la porte, je te montre un truc. Ah oui, tu m'as rentré dedans. Les gars, s'il vous plaît. Hein. C'est pas ma faute s'il fait des persos féminins. En plus, son animation est complètement buggée. C'est de la même. Ça a pris ? Ah, ça va plus ? Pourquoi ça va plus ? Ah ! Ton bug est réparé ? Ah merde ! Ah, ils t'ont fait un bug fixe. C'est bon, regarde, 14 000, ça veut dire que là, ça va me proposer au moins 2 millions. 2 millions 2. Ils ont eu peur et plus de sous. 2 millions 2. Je vais me faire écrouler la bourse de la forite sur le serveur. Bah ça. Voilà, en fait, t'arrives à dupliquer tout ce que t'as dans ton sac, c'est ça? Oui, il duplique en permanence. Pour inventaire, et en regardant et en fermant son inventaire, ça duplique son inventaire dans son inventaire. C'est fou. Regarde l'inventaire, 3150. Attends, c'est un lien de ton truc. Mais c'est sur Discord direct. Discord. Discord. Je fais quoi à... Tu cliques sur en direct. Rejoindre le stream. Voilà, ouais, je c'est ça. Jamais fait, hein, je sais quoi. Ah oui, d'accord. Donc, tu vois mon aphorite 3150. Mmh. Ouais. T'es prêt? Ouais. J'enlève mon inventaire, je fais rien d'autre. Ouais. Je le remets. 3006. Et juste en le fermant. Ouais, regarde, oui, je ferme. C'est ça, juste en le fermant et l'ouvrant. Ah mais c'est fou. Ah ouais. C'est juste c'est génial. Comme... Et du coup, si tu fais ça, tu ah mais tu martèles. Ah ouais, putain. Ah, tu regrettes d'avoir acheté tous les vaisseaux là, hein. Non, pas dans deux semaines. 7002, 7006, et donc je suis là, tac. Ce qui est encore plus fou, regarde bien, aphorite. Donc là, bon là c'est une petite somme. 330. Du moins, pour moi c'est une petite somme. Je vends. Normalement, t'as plus rien. Mais si je reclique dessus. Ah bah là, il me fait mentir. Attends. Il me fait mentir, c'est pas rigolo. D'ailleurs, t'as vu que ça a augmenté entre temps, 9004. Pourquoi? Eh ben, on sait pas. Pourquoi? Y'a pas de logique. Au lieu de vendre. Donc là, il va me proposer. Ah putain, j'ai dû faire écrouler le cours. C'est la première fois que ça m'arrive. T'as trop vendu. T'en as trop vendu. Ah ouais, c'est trop génial. Attends, ça c'est la première fois que ça m'arrive. C'est extraordinaire. Mais attends, c'est capable de me proposer 2 millions. Donc à la vente. Ah, là je suis. Ouais, ils m'ont bloqué peut-être. Oh. Là il y a un truc qui se passe. T'as été repéré par l'advocacy. Moi je pense qu'ils m'ont repéré. Non mais il y a un truc, c'est pas normal. Non, c'est parce que je suis en train de filmer ce que tu montres pour envoyer au dev là. Ah non, je te montre plus. Vous voyez les devs, regardez, ça marche. Attends, je peux pas vendre. Et franchement, je suis un honnête homme, je peux pas vendre mon aphorite. Par contre, il est possible que ton compte soit suspendu une semaine ou deux, ils me disent. Monsieur FR Spock, je suis ici sur ordre de Cloud Imperial Games. Nous allons vous arrêter. C'est génial. C'est rigolo. Essaye pour voir. Tu vois, je suis à 12 000, mais c'est bizarre, ça va plus. Oui, alors H, s'il te plaît, hein. On sait bien que t'es obligé d'utiliser Voice Mode pour avoir une grosse voix. Ouais, donc en fait, si t'avais revendu les 3300, tu recliquais sur le truc et te reposais à nouveau 3000. Voilà, donc si c'est 2 millions, je gagne 2 millions, je reclique sur aphorite vendre, ça va me faire 2 millions 2 par exemple. Ça monte, oui, si je clique que je machin, ça va me faire 2 millions 4 et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et si je regarde mon sac, bah mon sac est double ou triple. C'est délire.
C'est juste, en fait, je vends et il me rend mes pierres au passage, il m'en donne. Ah, ça y est, tiens, regarde. Aphorite. 2 millions, putain. Et, tac. Donc, ça va créditer, tu vois. Voilà. Et regarde bien. Ah, bah non, là, il me fait mentir encore. Ça fait combien en thunes ? Là, il a fait 1 million. Là. 21. Ouais. Ouais, mais là, tu vois, à mon avis, ça marche pas bien. Et je suis passé. Ça marche pas bien. Ça marche pas bien. Le mec, il fait 2 clics, il se fait 21 000. Tu sais, ouais, non, mais ça marche pas bien. Ah non, c'est déconne, c'est pas normal, je vais faire un rapport. Monsieur Chessie Eji, mon bug, il marche mal. C'est devenu une habitude. En fait, ouais, 20 000, c'est rien. Bon, allez, les gars, beacon. C'est marrant, et ça le fait qu'à toi ou à tout le monde le coup de duplication comme ça? Alors, moi, ouais. c'est 2 fois que ça m'arrive. Parce que je suis mort une fois avec mon sac. Après, il était pas, donc je suis éliminé, j'ai fait ce que. Bah, normal. Et j'avais pas de bug. Et un jour, c'était pendant l'event. Non, pas un event, c'était, il y avait des gars qui rejoignaient la corpo, et je crois que c'était Genjis qui faisait découvrir le minage. Coup de boule. J'ai pris un seul caillou par terre et je suis passé à plus de 200%. D'accord. Un seul caillou. Plier les cailloux, etc. Ça c'est ouf. Hein. Le mec il s'est pris pour Issou. Vous avez vu le montant du beacon? Non, arrêtez de streamer et spammer déjà. Vous me dites quand vous êtes en train de spammer. Oh, je suis pas prêt, Si, une autre chose avant que je le fasse, parce que je me suis déjà fait avoir. Mettez-vous devant moi. Si je vois que le beacon, c'est pas vous qui l'avez, que je vous ai dans mon champ de vision, je verrai le. Reculez-vous. L'icône, ouais. Ouais, si c'est pas vous, je l'annule. C'est pire que la loterie, ça. Ouais, parce qu'il y a des petits malins qui arrivent, donc. Vous êtes prêts à spammer? Allez, spammer. De tirer. Spammer. C'est Hop. Qui C'est H. Yes H et... Tu vas être riche. Oh bah il me dit de spammer la touche. Bah comme ça tu peux le stuffer ton. Tu peux le stuffer ton freelancer, même si c'est que pour 2 semaines. Il peut en stuffer 15. Ah bah 10 millions, tu vois ce que je veux dire. Attends, mais c'est quoi le beacon? Faut faire quoi? Bah là il faut rien faire, en fait. Ah faut rien faire, c'est en temps. Ça plus j'attends et plus ça donne des sous. Eh c'est bizarre. Oh. Ça. Toutes les 21 minutes, tu as gagné 21 millions. Ah mais attends, j'ai mis combien de zéros? Là j'ai gagné 1 million là. Je crois que t'es... Ah mais je me suis trompé, je voulais mettre 10 millions. 10 millions, pas 1 million, t'as 10 millions. Oh, bah. Non mais là j'ai mis 1 million, je me suis trompé, effectivement. Oh. Bon on va attendre alors. C'est nul 1 million. Ouais attends, on va le refaire, je te l'annule, allez. On va pas attendre 10 minutes quand même. Alors donc ça fait 7-0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous êtes prêts? Allez spammer. Comme ça vous avez une ordre d'arrivée. Elle va même pas le louper la scène de la guerre. Ah merde, attends, fais les patienter, clique pas. C'est pique. Bah alors pourquoi c'est ça pas ça me fait? C'est pour moi. Et attends, je peux pas l'annuler. Ah si, c'est bon. Hop, c'est bon, tu verras. Non. J'ai été débité. Alors faut attendre un peu. Ah, je confirme, 11 millions. Ah oui, du coup, t'as eu un bonus, toi. C'est le délire. Mais vous êtes 3 par contre. Bon, je vais. Bon, on va c'est le faire pas grave, tu dupliqueras un peu. De toute façon, moi, il me faut 15 pour le truc là. Et tout ça, à 24 heures du wipe, c'est franchement pas 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, le wipe il aura lieu dans minimum un mois, je crois. Si on a la vague PTU pour le. Enfin, non, dans 3 semaines, un truc comme ça. Si on a la vague PTU pour la seconde vague d'ici 2 semaines, ils vont laisser environ une semaine de jeu pour tout le monde. Donc, ça va faire. Non, leur but clairement c'est de balancer ça avant les vacances de Noël. Clairement. Les gars, dans le pire du cas, ce sera un PTU ouvert à tous à Noël. Au suivant. Bah oui, mais la live elle sera pas wipe. Donc tu seras toujours en 3.7, mais. Il y a peut-être que ça sera live si ça marche.
C'est pas mal là ou pas? Attends, je crois que là t'as déjà fait les autres. Moi il me faudrait 15 millions pour la barrière. Là t'as déjà fait H, et t'as déjà fait les deux autres, c'est bon. Non, 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 moi j'ai rien eu. Ah oui, parce que je dis, vous êtes 3. Il y en a qu'un qui a eu 11 millions là. C'est H qui a pris à chaque fois. J'ai gagné deux fois, j'ai gagné un et. Mais j'en dis jamais 200. Vas-y, Baka, feu, et moi je passe donc, pour Baka, ouais. Donc Baka, c'est bon, t'es prêt? Vas-y, spam. Il faut, et ouais, c'est juste Alp. Ouais, je suis où, t'as tenu, Baka? Allez, allez, spam, spam. Baka l'a pris, non? Oui, Baka l'a pris, je crois. Non, c'est pas Baka, j'annule. Ouais, il y a quelqu'un qui est au taquet derrière, là, sur le sable. Ouais. C'est pour ça qu'il faut bien spammer avant, comme ça, ça prend une petite longueur de. Mais c'est. Faut être à l'intérieur du truc de mission dans les beacons ou. Non, rien à faire. Ouais, c'est juste le truc de braquette, ouais. À côté de P, tu spams. Oui. Tu spams P sans regarder ton mobile glace, t'es prêt? Allez, c'est parti. P, chapeau chinois. Oui, chapeau. Vas-y, allez, spam. Allez, c'est maintenant. Je spam. Mais... C'est quelqu'un qui l'a vu, je l'ai vu, j'ai vu l'icône partir ailleurs. Donc j'ai annulé. Le mec il doit être au taquet de l'autre côté du système. il voit 10 minutes ah, oui. Sur son écran et il fait ah putain. Il sait très bien à quoi ça correspond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, on est bien avec 7-0. Allez, Baka, spam. Spam, comment pas. C'est le petit chapeau chinois, hein. C'est le petit chapeau chinois. Oui, oui. New objectif, faire spot. Et faire spot. Et faire spot. Regardez, donc là j'ai passé, je vais être pauvre. Et là il reste pauvre, ah merde. Voilà, ça y est, c'est fait. C'est bien, j'ai ouais, 10 222 102 alpha UEC. Oh le délire. Bah au moins on peut aller chercher des chips marrons, etc. Et puis de toute façon, ce n'est pas un bug. C'est une fonctionnalité cachée. Attends, tu contrôles, j'ai. Mais je voudrais savoir où il a acheté son sac à dos parce que ça. Non, sort, c'est clair. Il est vendu celui-là. Un sac à dos sans fond. Là. Si vous qu'on les achète déjà les sacs à dos. Borlissard. Il a besoin d'un sac à dos. Borlissard, je l'ai acheté. Attends, j'augmente la somme pour faire plusieurs millions de débits, sinon. Mais tu peux ici, je crois. Ah oui, tu peux ici. Ouais, ça je sais pas, il y en a peut-être sur 1 sur 10 000 qui est pourri, je sais pas. C'est un truc quoi. Ouais, c'est un 5 grammes. Voilà, 1 million 9. Il a une corne d'abondance. 1 million 9 encore. Je suis 4 millions déjà. Ah, 340 000. C'est dur, hein. 340 000, c'est. Ah, ça y est, je suis interdit. Ah, bon, 4 millions là, j'ai en poche. Attends, on va. Au bout de 4 millions en plus sur mon compte, je suis interdit bancaire. Ah, je suis interdit là, il veut plus. Je vais attendre un petit peu, ça va passer. Mais t'as un sac à dos sur toi là? Ah ouais, j'ai pris le sac à dos. Ouais. Bah oui, il me le faut pour. Au sien, je peux pas vendre. Oui, c'est vrai, c'est un sac à dos magique. Non, mais créez plein de. Fais-le en un coup, créez plein de pierres dans son sac à dos et fais-le une fois quoi. Le mec il vend 1 million de pierres en même temps, t'es quoi? Mais Baka? Oui. Avec un gros UV. Là, j'étais où ton armure? Elle est jolie. Grimex. D'accord, j'aime bien. Grimex, et si tu veux tous les détails, voyons voir. Le casque s'appelle Fortifier Helmet. Et les armures, c'est les Citadel Core. Non, Citadel. Bon, j'ai mis 6 millions. Allez, Beacon. Père Noël. Il te fait ça. C'est Père Noël. Vas-y, FR Spock, sauce nous. Je t'en fais un 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi 6? J'aurais pas assez avec 6. Ah, mais il te faut les 15 d'un coup. Et oui, il t'en a demandé 15 parce qu'il a déjà 1 million et que comme ça il peut acheter le Hammerhead et garder un petit peu de fric. Mais il est nul ce serveur, il me bloque, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est honteux, envoie un ticket. C'est honteux. Déjà
vient de faire 30 millions. C'est honteux. C'est le serveur, 30 millions, 30 minutes, merde. Moi je dis le serveur il bloque, c'est honteux. Allez. C'est dingue. S'il vous plaît. Ah, il veut pas. Hein. Et là ? Mais non, mais attends un peu, t'as cassé le serveur. Bah, j'ai cassé le serveur. On se casse, les gars, on change de serveur. Au table de la station, mec, il sait plus, là, il est noyé sous les chiffres. Non, il est pas noyé sous les chiffres, c'est juste qu'il sait plus où les foutre, ces putains de pierres. Je vais construire une planète avec ça. Donc le temps de trouver. En fait, tu vois, c'est pas qu'il refuse de les lui acheter. C'est juste que pour l'instant, il est en train de les ranger. Ah, Baka, vous êtes riche là. Achetez des pierres là et barrez-vous avec. Ceinture d'astéroïdes de Yelan. Non, mais c'est clair. Ah, il veut pas. Hein. Le mec, il a de quoi faire. Il a de quoi reconstituer des lamars et sa ceinture d'astéroïdes. Attends, je vais changer le montant des pierres, peut-être que ça va débugger la chose. Peut-être que j'en ai pas assez. Oh, papa. Marc, s'il y en a un qui fait comme moi sur... Ah, si on changeait de landing pad, peut-être. Ah, par contre, avant d'aller sur l'autre landing pad, je vais enlever mon sac. Ouais. Heureux. Allez, moi je déco. Je dis bonne soirée. Bonne soirée. À demain. Ciao, ciao. On change de landing pad, salut. Alors, par contre, Spock, je tiens quand même à te dire une chose. Tout ceci était filmé, évidemment. Ouais, je vais. On va où alors? Bah, on change de landing pad pour voir si ça passe ou. Bah, comme tu veux. Si c'est bugué, on sait jamais. Allez, bah déjà le temps d'y aller, ça va résister. Allez, let's go! Ouais, ça vaut bien le coup de se promener un petit peu. Mais ton sac au départ il était plus. Ah oui, tout début il était vide, j'ai pris qu'une seule pierre dans une mine. Il a pris une seule pierre. En hache! Toujours à la ramasse lui. En fait, j'ai pris une pierre et j'ai voulu vérifier qu'elle était bien. Mais c'est ça qu'on te reproche! On est tous les trois en train de sortir là. D'où tu viens? Je suis dehors moi déjà. Je te voyais pas dans le. Vous essayez de faire quoi? On casse l'économie. C'est qui pose la question? C'est Vacuum. Ah Vacuum, viens sur le serveur, dépêche-toi. Dis Vacuum, est-ce que tu veux que Spock te sauce? C'est le Père Noël. C'est pas Spock, c'est le banquier. C'est Papa Noël des sous en ce moment. C'est mon pseudo. Voilà, il va se faire mal. Mais non, ça passe crème. Non, mais Tetra, d'accord. Tetra, il sort la Nox carrément. Non, mais tricheur. Ah, mais d'accord, ok. Mais en plus, attends, il est arrivé en retard, quoi. Méfiez-vous, il y a quelques pouilleux dans le coin là qui passent. J'ai jamais eu autant de monde aussi, comment dire, intéressé ou plutôt très assidu derrière moi. C'est les mecs qui t'a cherché le pognon qui te suivent à la trace là. Moi, c'est surtout pour suivre le groupe. Hein. Alors attention, moi, je suis le porte-monnaie, tu vois, c'est. J'ai jamais vu autant de monde. Ah, donc il y a besoin d'une escorte, moi ça me paraît. Non, mais H, de toute façon, c'est le poisson pilote partout, il peut sucer quelque chose, il suit. Oh. T'es où, Vademekum? On est. Vademekum! Vacuum, arrête-moi, Vacuum Rider. Je regardais pas. Je suis connecté, et de toute façon, je suis à Aera 18, hein, donc. Vous m'attendez pas quoi. Ah, je fais une vente à juste 2 millions 7. Excusez-moi. Sympa. Sérieusement, vos standards ont baissé, mon cher Spock. Attends, vous me décevez beaucoup. Quelques pierres de plus à 2 millions 8. 2 millions 8. Ouais, pas mal. Ah, commencez à m'intéresser, mais vous pouvez faire mieux. Ah, ça passe. Ah, mais vous avez le sac infini là. Ah, attends, 2 millions 9. Faire Spock, oui. 2 millions 9, ça passe. Ah, il est bien ce truc. Oh, 3 millions. 3 millions. Qui dit mieux?
Attention, 3 millions sur la gauche. 3 millions sur la gauche, attention, je dis mieux 3, 4, 3 millions 5 sur la droite. Attention, attention, attention. Personne ne renchérit, personne ne renchérit. 4 millions devant moi. Oui, personne d'autre, personne d'autre. Non, toujours pas. Adjugé pour 4 millions. Adjugé, regardez. Je suis riche de 22 millions. Il y a deux secondes, j'avais pas un sou. Alors, Beacon, tu disais que tu veux ton Hammerhead ? Hammerhead. Hammerhead. C'est la, la Beacon Hammerhead. Je pense à licence de réparation arrondi à 18. Ouais, je comprends, je comprends. Une fois que tu auras l'Hammerhead, tu n'auras plus un sou en poche. Il faut bien ça. Allez, je suis généreux. Ce menteur, il a dit qu'il avait encore un million sur lui. 4. 5, 6, 7. Ah, ça, c'est pour le commerce, le bilan du commerce. Attends, j'en ai fait trop là. 1, 2, 3, 6. Putain, je sais pas compter. Attends, je recommence. 3. Ah, je comprends pourquoi il y a tant de millions dans son truc. T'es prêt ? Une pierre ? T'es... Ah non, j'en ai un million. Ah, j'ai jamais été aussi prêt. T'es bien en face de moi, on est d'accord. Hein. Attends. Il y a un vieux PNJ qui m'a fait demander à cette pile là. Il est couillé. C'est bon, vas-y, fais péter. T'es prêt ? Vas-y, spam. Pour 20 millions. J'ai entendu quelqu'un spammer aussi, gros bâtard. Y'en a un qui a spammé aussi. Et vas-y, il est toujours pas pris. Hein. Ah, mais j'ai vu partir, moi je vois plus rien. Ah, bah attends, j'annule. Non. 20 millions. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. T'es prêt ? Ouais, ouais. Allez, spam. Ah. Il est pris par quelqu'un. C'est devant moi, c'est qui ? C'est Baka ? Non. C'est fou, tu mens. Ah, il est ici, c'est Baka. <J'ai... rire> Je tiens à clamer ma défense aujourd'hui. Oh, raté, les gars, c'est relou. Non, j'arrête. Escorte. Non, je voulais juste agacer une fois, c'est tout. 4, 5, 6, 7. Allez, spam. Les mecs qui sont sur le serveur doivent se dire oh, putain, il y a des millions partout. Ah, c'est bon, tu l'as. Alors, attends, tu l'as, mais j'ai pas convoqué débité. Tu sais, il y a des gens qui doivent se dire vache, ce mec, la FR Spock, il doit être mais un gros farmer chinois. En fait, il devrait s'appeler CH Spock, en fait. Bon, c'est quand ça veut ? C'est bizarre que ça. Je suis toujours pas débité. Ah, je vois toujours escorte en haut là. Ouais, mais je vois que mes millions sont toujours là. Et voilà, elle a tout fait bugger, Baka. Elle a rendu fou. Normalement, il devrait me rester 386 000. Mais là, tout de suite, c'est toujours pas débité. Bouge un peu pour voir dans le jeu. Bon, moi, tu me diras. Je peux pas être débité deux fois. Non, il se passe rien. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Attends, j'ai pas fait un transport, moi. Non, c'est bien une escorte. Moi, je vais écrire escorte en de mon écran. Ouais, moi aussi, je vois escorte. Attends, c'est marqué quoi, là ? Ah non, c'est un autre beacon, ça n'a rien à voir. Peut-être que 20 millions, c'est trop. Essaye d'annuler. Et refais. Attends. Attends, je suis obligé d'attendre un peu. Voilà. Mais. Qu'est-ce que je fais ? N'importe quoi, je vais refuel moi. Je veux bien refuel, mais pas dans ce sens-là. Eh, je veux pas dire, mais il a l'air de manquer un morceau sur ta, sur ton arme, hein, Spock. Ah, t'es prêt ? Ouais. Allez, vas-y, c'est parti. Le serveur full depuis tout à l'heure. Bon, en même temps, avec tous ces millions qui circulent, il y en a qui sont intéressés. Je pense que le serveur il est pas un peu en carton depuis tout à l'heure, entre le... Y'a rien, hein. J'annule. Ouais, je me demande si le serveur il est pas en carton. Ah, ça va marcher pour les autres, hein, y'a pas de raison.
Fais voir si j'essaie d'acheter. Attends, on va attendre un peu, on va faire une demande. Ouais. Le mec, on a injecté trop de monnaie virtuelle dans le jeu, ça marche plus. Injectons-en encore plus. je viens de vendre pour 3 millions. Franchement, qu'il n'y a pas encore d'inflation. Et là, bizarre, il me dit 32 000 maintenant. Il veut plus. Mais 3 millions, mais. J'ai vendu pour 3 millions, mais j'ai pas gagné mes 3 millions. Hein. Ah si, j'ai dit une bêtise, ils sont. Ouh. Attends, j'ai été débité. Mes 20 millions, ils sont plus là. Ah merde, quelqu'un a chopé les 20 millions. Ouh, bien joué. C'était pas moi. Ah merde. Bon. Bon, il faut vendre. Là, t'as rendu fou, Bac, hein, franchement. mais tu vois, le serveur, il est bizarre. Hein. Mais là aussi, ça y est, ça rebug, je peux plus vendre. Bon, en même temps, c'est l'affaire de quoi, 5 minutes. Ouais, faut laisser le temps de... Au pire... J'avais pas besoin d'attendre hier, hein. ni hier, ni ce matin, ni n'importe quand, j'ai toujours... Au pire, on change de serveur et on en profite pour rameuter Vacuum, quoi. Voilà. Pourquoi pas. Tant qu'on est là... Exit to menu, c'est ça. Ouais, allez hop. Exit to menu. Ah, par contre, j'aime bien enlever mon sac, j'ai oublié d'enlever mon sac. On sait jamais s'ils me le perdent. Ah ouais. Ah, je vais arrêter mon stream. Ok, je suis au menu. Alors, Vacuum, est-ce que je t'ai déjà, tout simplement? Oui. Bah, une femme entourée par quatre hommes, ouais, effectivement, t'es au menu, ouais. Je viens de t'envoyer une invitation, Vacuum. C'est le temps, je regarde. J'allais dire, il me répond pas, c'est parce que je dis son nom correctement. C'était bon, allez, on va repartir. C'est parti. J'espère qu'on sera tous sur la même plateforme parce que j'avais marre de faire des EVA, moi. Bah attends, moi, faut que je fasse 30 millions de kilomètres. Oh, mais c'est pas grave, tu peux le faire à distance. Le problème, c'est que je peux pas contrôler que c'est toi. Ah la vache. Il va falloir m'expliquer avant de faire la procédure. Alors le plus gros de la procédure, c'est Spock qui le fait. Voilà. Ouais, mais après, faut que je trouve le bacon dans les contrats ou un truc comme ça. Non. Tu vas le voir apparaître en haut de l'écran et faut faire à côté de B comme pour joindre la partie. Non mais okay. Tu cherches même pas à attendre de voir en haut de l'écran quand je te dis d'appuyer sur le chapeau. Tu spams sans même réfléchir. Tu spams bêtement. Ok. Je vais faire ça. Spock, tu as la VOIP. Ah. Je suis en VOIP là ? Ah oui. Oui. Je suis connecté. Oh ouais, et heureusement que je vous le stream pas celui-là. 5 millions ? Je suis sur un record. 4 135 000. Est-ce que ça passe ? Ça passe. Ouais, bon. Alors, il manque toujours un morceau du canon de ton arme, hein, Spock. Et il manque toujours un morceau. Ouais, si tu regardes, moi en tout cas, je vois qu'il y a entre le corps de ton arme, tu sais, le gros truc rond et le pare-feu. Là, je vends demi-million par demi-million sans aucun problème. Voilà, pour farmer un peu, ça, je vais faire comme ça. Ah, bah là, c'est un refusé, tiens. Pourtant, j'ai bien des pierres dans mon sac. Mais j'en ai un tout petit peu. Le temps que Vacuum arrive, comme ça j'aurai les sous sur moi, et puis il faut que je refasse les 20 millions là, s'il veut s'acheter son Amored. Je suis connecté. 1 million 3, ça passe. Ouais, on te voit, t'es perdu quelque part dans le vide à 42 millions de kilomètres. Ah, c'est pas le vide, c'est Earth Corp. Oui, c'est bien ce que je dis. T'es dans une station spatiale, tu sais, t'es une plaque de métal qui vole dans l'espace et qui flotte dans l'espace. C'est toi qui es perdu dans l'espace. Elle ne flotte pas, voilà, comme le dit H, elle chute continuellement autour d'Arcorp à une vitesse telle que sa trajectoire
est orbital. Il y a un mec qui dit bonsoir. Faut que je vienne à Olisar alors ou pas? Ce serait mieux facile pour vérifier. Ok. Parce que sinon, ça risque de partir pour quelqu'un d'autre. Monsieur la VOIP. Mais pourquoi vous êtes tous en VOIP là? Pourquoi vous faites chier? 1-2-1-2. Bah. 1-2. Voilà, là elle est désactivée. Ah non, elle est toujours active. Oui, je t'entends toujours là. Ah ouais. Bah alors? Veuillez cesser séance cette dissidence insensée. Je vais éviter de parler des sommes alors. Parce qu'elle pourrait paraître deux fois plus grande. Les 4 millions de... C'est essentiel. Tu l'as dit deux fois moins fort pour que ça égalise, c'est ça? Ouais. Ah, mais j'ai l'impression que je vais être revictime du même truc que tout à l'heure. Ouais, tu vois, j'abuse en fait. Au niveau de l'argent, ça abuse. Ça bloque la console. Donc là, j'ai combien? La console qui est pas prévue pour des gens aussi riches. J'ai 21 millions là. Ben tu vois Tetra, ça a pas pris longtemps. Non, tu veux essayer Tetra? Vas-y hein. Attends, je vais essayer une dernière fois, est-ce que ça veut la passer? Non. Alors. Picon. En tout cas, les 21 millions, ils vont te faire du bien, Tetra, hein, parce que vu comme t'es habillé comme un pouilleux. Trop bien ma tenue, elle est assortie à Manox. Oh, sinon, ce qu'on fait, on peut faire pour s'assurer de les. Parce que là, on perd du temps si jamais c'est quelqu'un qui les chope. On fait un beacon transport. Et là, tant que je suis pas arrivé à destination, l'argent n'est pas versé, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, on sait exactement qui transporte qui. 2, 3, 4, 5, 6, 7. T'es prêt? Ok, je vois que t'es prêt. Vas-y, vas-y. C'est pas moi qui spamme, c'est quelqu'un d'autre encore. J'ai pas eu. Non, j'ai martelé la touche P, ça va. J'ai pas été chien. Y a un autre joueur là. Bah du coup, je me suis fait carotte. Hein. Bon, on entend que c'est débité. Cool, merci. 210 millions, c'est beaucoup quand même. 210 millions? Non, c'est pas 210 millions, qu'est-ce que tu racontes? C'est 21, non? 21 000. Pas 2 millions et quelques? Je te donnais 20 millions. C'est 2 milliards même en fait. Non, c'est pas possible. HFR qui a tous les bugs pour faire Jésus avec l'argent, tu sais. Il m'a c'est Spock. Oui, mais c'est FR, HFR, FR Spock. Oh, vous faites chier aussi. Je crois que je vais pouvoir vendre. 2005, allez. Du coup, il y a quelqu'un qui passe par hardcore pour me déposer. J'ai pas trop envie de dépenser de l'argent dans l'essence. Nick. Il a besoin de faire des achats. Je me pousse pour lui. Hein. Je suis... T'es trop gentil. Non, c'est. Comment dire? Il sent mauvais. Il est pas un salon. Ah merde, j'ai craché. Oh putain, ils m'ont sorti du jeu. Je suis plus vieux. C'est ce qui s'appelle un bug fix assez violent. Un joueur est victime d'un bug et il en profite. Supprimer son compte. Ce n'est pas un peu violent de supprimer son compte, cela supprimera le bug. Ah, j'ai craché aussi. on met quoi dans la bug? Sorry. Alors, les mecs, on n'était pas du tout en train d'exploiter un bug, hein, promis.
croyais que c'était une fonctionnalité. Bon bah relaunch. On n'exploitait pas un bug, on utilisait une fonctionnalité cachée, vous comprenez. C'est bon, je suis en train de rejoindre le serveur, je reviens. Bon, on va les mettre, on va faire pop des chips. Hein. On peut déclencher une guerre, hein. Je vous fais pop les chips si vous voulez, il n'y a aucun problème. Et du coup, je suis curieux, donc le rétaliateur, il faut des torpilleurs. Il y a au moins 5 tourelles, donc probablement qu'il faut aussi quelqu'un aux torpilles, mais à moins que ça ce soit le pilote qui s'en charge, mais... Je sais pas, j'avais pas de cible sous la main. Je peux vous dire que mon sac est toujours sur mon dos. C'est juste une petite somme, 200 000. Il y a bien 7 lits et il y a bien 7 postes de travail dans le retail. On va aller voir ça. Entre le pilote, les 5 tourelles et la console. Ouais, d'ailleurs, il y a un lit, il est excommunié quelque part en bas du vaisseau. C'est du capitaine ? Non. Non, il est dans une petite boîte. Enfin, tu me diras, au moins il est tout seul, ouais, donc c'est peut-être le lit du capitaine, mais c'est un placard le machin quand même. Oui, c'est un placard la chambre du capitaine. Ah, ouais, mais les autres, c'est à gauche. Il est à gauche en sortant du cockpit. T'as vu les deux sièges du fond là où il y a les autres. Je peux plus en faire. Bon, c'est pas grave, j'ai 5 millions, ce sera 5 millions pour Vaco. Au pire, vous me demandez. Parce que si on va y passer la soirée. Ouais, pas de soucis. Si je fais pas un vaisseau là, je vais aller chercher du coup le Hammerhead là, à leur ville. Pareil, ça va me permettre de tester des vaisseaux avant le wipe. Bah, si tu veux venir à leur ville avec moi pour en acheter là, c'est le moment. Par contre, Spock, tu es habile. Je veux bien aller à leur ville aussi. Est-ce qu'il faut que j'aille déjà au Lissar ou... Est-ce qu'il faut que j'aille déjà au Lissar ou est-ce qu'on se rejoint alors? Et vous voulez pas prendre un chiffre qui va vite, genre Caterpillar, je vous le passe? Voilà, j'ai fait pas par un freelancer max. Oh, ça va bien aussi. D01, j'arrive. Et donc, du coup, le rétaliateur, j'ai des gens pour venir avec moi ou pas? Oh oui, je vais monter dans une tourelle. Tu viens de nous fouiller du pognon, tu vas faire quoi avec ton machin? Tu vas faire quoi, Spock, avec ton rétaliateur? Alors, en fait, je voulais voir comment il fonctionnait, en fait, parce que je connais pas. Des 10. Okay. Ouais, puis c'est cool de faire ça, c'est cool de faire ça à plusieurs parce qu'au moins on peut tout. Pour que tu testes. Ouais, si tu veux. Cool. Les rétaliateurs, ils peuvent popper à leur ville, je pense. Ah, bah non, tu veux le piloter H ou tu t'en fous? Yaha! J'ai plus de la sueur. Ah, moi je m'en fous, C'est vraiment histoire de. Ouais, tu vas sur quelqu'un. Ouais bah alors dans ce cas on le fait pop, on va sur Delamar, hein. On trouvera des Hammerhead à affronter. Ah au fait oui, t'es où Vaku? Moi je suis à Harcorp. Et t'es à Harcorp? Bon pire le temps qu'eux ils vont faire leur achat, si tu veux je te rejoins à Harcorp. Bon on montre comment là-dedans. Je crois que c'est... Non ça c'est pour les torpilles. C'est quelque part sur le côté, ça c'est clair. C'est Arston. Je crois que c'est là, voilà c'est Alexis. Leur ville. Ouais, Arston, leur ville. T'as vu, c'est planqué, hein. Je repère l'endroit parce que... Ok. Merde, attends. Alors, il est où, leur stone, là Donc, on est que deux. Ok. Pour l'instant. Ou alors, on se retrouve tous à leur ville, hein. Est-ce qu'on pourra peindre les... Qu'est-ce que c'est, ça? Les vaisseaux qui m'intéressent, ils s'achètent à leur ville en plus. Ouah, le rétaliateur qui peut servir de dropship. Regarde, t'as une trappe. Regarde-moi ça. Ah oui, non mais j'ai vu, c'est sacré suppositoire. Par contre, je peux pas la fermer. Ah si. Le train d'atterrissage, H. Ouais, bien joué. T'as vu la taille des boucliers? Attends, je vais décoller juste pour qu'on puisse, parce qu'on va dépop sinon. Je sais même pas dans quelle direction je vais. Est-ce que je vais vers le début, vers la fin? C'est quoi? Je crois que tu vas vers l'arrière. Va dans le sens des torpilles. Enfin, tu sais quoi, je vais le faire décoller. Ah bah oui, je suis con. Parce que généralement les torpilles elles vont vers l'avant hein, si tu veux donc. Oui. Ah merde, ça c'est une cabine de douche. Il y a un couloir, ça se transforme en cabine de douche. J'ai pas fait gaffe.
Ah, le cul-de-sac à droite. Ouais. Ah oui, d'accord. Ouh, t'as sorti le papier. Il y a juste deux coursives, gauche et droite, de souvenir. Ah, il est relativement simple, en fait. Ouais, il est très simple. Et ah, il y a une échelle. Et après, en haut, pour l'équipage, je crois. Je viens de trouver une échelle. Bonsoir. Ouais, salut. Derrière l'échelle, en fait, il y a normalement, il y a le cabine de pilotage. Spock, je propose qu'on se retrouve à Lorville. Ok. Alors Lorville, pilote. Et bonjour et bienvenue sur Air Bakaneko-san. Nous souhaitons à tous nos passagers de s'installer confortablement. Notre prochaine destination, Lorville. Je répète, prochaine destination, Lorville. Ah, merci de relever vos tablettes et... Je monte dans une tourelle supérieure. Et donc ça lance cette tourelle, elle peut lancer des torpilles ? Non, ça c'est des tourelles qui font pam pam piou piou avec du balistique. Lorville, c'est quoi déjà comme planète ? Ah ouais. Hearthstone. Hearthstone. Oh, il y a du monde derrière nous. C'est dommage qu'ils sont. Il y avait quelques pirates là en partant de. Ouais, j'ai vu ça, je vois, je suis en train de les voir. Oh, j'ai plus envie de dire. C'est où Hearthstone, bordel ? De l'autre côté. D'autre côté, y a Vacuum, est-ce que tu es sur Hearthstone ? Non, je suis hardcore. Non. Oui, hardcore. C'est la planète la plus proche de Stompton. Et du coup, les torpilleurs, ils sont où pour les lancer, les torpilleurs ? Ça, je ne sais pas. C'est le copilote. Ah, et je crois que ça marche pas encore, les torpilles. Et mettant le copilote, tu peux pas faire. Je crois que les pilotes, ils peuvent faire ça quand même. Hein. Voilà, j'ai trouvé Hearthstone. C'est bizarre. Moi, je pense que c'est le pilote. Hein. Merde, non, open door. La console, ouverte, j'ai failli me sauter dans l'espace. La console derrière, elle fonctionne pas encore, je crois. Non, mais là, je crois que les torpilles, elles sont juste là pour faire joli. Hein. Ah non, la torpille, je sais qu'elle fonctionne. En 3.4, elle fonctionnait déjà. Il y avait déjà le rétaliateur en 3.4. Tu tires à 20 km de distance, si je me trompe pas. Ah, je viens de trouver. Ah, mais c'était pas une douche ? Si. C'est la cabine du capitaine. Tu nous emmerdes avec ta cabine du capitaine, toi ! Le KGB au fond à droite. Le plus drôle, c'est les trappes dans cette. Oui, mais ça peut tellement servir de dropship ! Tu sais, genre, tu te poses, t'as tous les mecs qui sautent par le trou et qui se déploient en arc de cercle, par exemple, ils sont couverts par le dessus, ils sont couverts sur une bonne... Ça doit péter de faire ça, quoi. Mais même dans la soute à missile, là, tu peux l'ouvrir depuis le cockpit. Enfin, t'appuies sur le truc pour tout ouvrir et pour lancer les missiles. Comme ça, tu drops littéralement tout le monde. Poum. Il a une tourelle en dessous ? Oui, non si, c'est au-dessous, en dessous, mais tout derrière. Ah, j'ai trouvé les trois tourelles, donc celle sur les ailes, là à l'arrière. Il y en a 5, hein. Celle au-dessus, donc ça en fait 4, et la cinquième, je sais pas où elle est. En fait, devant, il y en a deux, parce qu'il y en a une en dessous et une au-dessus. Celle du en dessous, elle est juste derrière le siège du pilote. Engineering station. Elle fonctionne, elle ? Non. Foutre mon bordel. Bonsoir. Ah, c'est gratis. Faites quoi, Julie ? Salut, gratis. On lance des places en direction de Hearthstone, et ils ont quelques achats à faire, du coup. Ah, t'as fait de la distribution ? Ouais, j'ai fait bugger les consoles de pour Lissard. C'est pour ça, on s'est dit à la capitale, ça marchera mieux. Bah, à peu près 40 millions à peu près de distribuer ce soir. Chers passagers, ici votre capitaine de bord, Bakaneko-san. Nous sommes à 23 millions de kilomètres d'Hearthstone. Je répète, nous sommes à 23 millions de kilomètres d'Hearthstone. Un agréable voyage à vous. Ah, la station, elle fonctionne. Alors malheureusement, votre serveur est full. Vous voir. Ah, le reclaimer, c'est celui sur lequel... Vite, saute. Fais gaffe, la dernière fois que j'ai vu quelqu'un utiliser la console du rétaliateur, il est resté bloqué. Ah, bon, je t'ai coupé les moteurs, apparemment, j'arrête. Oui, apparemment, oui.
Reclaimer, il est plus gros que le Marine. Non. Le Reclaimer, si, carrément. Ah, si, 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 oui. C'est les moteurs que j'ai coupé les moteurs. Le bras aussi, moi, le Reclaimer. Donc, faut faire I si tu veux que ça reparte. Bon, Non, non, moi je les ai rallumés en appuyant sur le bouton. Ah, ouais, parce que du coup. Ah, mais elle est là, l'autre tourelle, elle est devant. En fait, quand tu marches, passes sur poste de pilotage, tu marches sur la tourelle. Votre serveur est full. Il est full. Ah, il est full. Ouais, c'est un serveur qui pue, il refule. Il refule le sac à dos. Ouais, à chaque fois que tu le vides, il refule, ouais. Et du coup, ça va acheter du vaisseau là, du coup. Ouais, ils sont partis acheter des vaisseaux, ouais. Bon, du coup, on en a un qui veut se prendre un Hammerhead là. En fait, là, je suis en train de me dire qu'est-ce que je vais taxer demain. Valkyrie, un 600i, il faudrait 10 000 bon, quoi. Oh, l'eau, tout de suite. Tu vois tellement petit. Avec Spock, tu pourrais taper le 890. Non, mais il est pas en vente. J'ai cherché. Ah. Le plus cher, c'est le Reclaimer, 15 millions. Après, il y a 12 millions pour le Hammerhead. Combien après, pour c'est 6 millions. Pourquoi? Pour le Walkie. Walkie, c'est pas trop cher. Je crois que c'est 4 millions, 4 millions 5. 4 millions, ouais. Une paille. 6 millions. Ouais, 6 millions, je l'ai même pas acheté, tu vois. Ah bon, trop luxueux. Plus cher. Non, pas assez cher. Pas assez cher. Mais je crois qu'il était à 9 475 000. Et le Walkie, je crois qu'on peut mettre un. On peut mettre un véhicule TAD. Oh oui. Oh merde, on est attaqué là. Ouais, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. Une rover, c'est qui dit que ça pique? C'est H? Taco, tu peux aller dans la tourelle s'il te plaît? Alors Tetra plutôt. Tetra, ouais, Tetra, excuse. Parce que Taco il est pas là, je crois. Ouais, non, mais ça a commencé par un T. Je suis à 1 million de kilomètres, je pourrais peut-être vous aider. Pour info, je suis en train de monter dans la tourelle sous toi, pilote. Baka, ça suffira. Donc moi, je suis dans le menu, j'attends dans le menu une éventuelle mort prématurée. Connard, ou alors... il nous a bien laminé, cette connasse. Ou alors que... Ah, j'en ai 11 millions de toi. Et que vous soyez... Ah, c'est bon, je l'ai eu. Ok, Gratix. Après aussi, si t'es sur quelle planète là, Gratix, en fait? Ouais, à la base. Non, pas sur. Eh ben, on y est. Donc, à la limite, on peut. Une fois qu'on sera sur Hearthstone, on pourra tous déco et se reconnecter en invitant Gratix. Ouais, c'est ça, c'est ce que je dis. Moi, je suis à la base aussi. Hein. Par contre, j'étais presque arrivé et là je suis revenu à 9 millions, je sais pas pourquoi. Oh, le rollback de l'enfer! Grave! Bah, qu'est-ce qu'on fait, c'est que nous on va pas en atmosphère, on reste en orbite et on se couchera dans les lits du rétaliateur. Oui, pas de soucis. Comme ça nous évitera de faire toute la session sortie en atmosphère. On va repop dans le chip tranquille. Et plus tard, la peinture des vaisseaux, on pourra un peu la personnaliser à l'extérieur, genre changer la couleur. Il me semble. C'est chouette, ça. Mais ce serait bien que ce soit toi-même qui puisse le peindre, hein, carrément, tu vois, dans le hangar. Ouais, un paint dans Star Citizen, tu vois, avec dans ton hangar. Tagué et tout. Alors, après... capables, hein. Après, les mecs, on joue à Star Citizen, pas Horror Citizen, si vous voulez. À Craft Citizen. Alors, on est censé être une orga respectable. Voilà, on est pas là pour jouer à j'ai 4 ans et je peinturlure mon vaisseau. Mais on peut pas mettre des trucs genre Vandoul, regardez-moi bien. Non mais H, toi, on va te retirer cette fonctionnalité si jamais elle existe. Et on marque, on va peut-être agrémenter nos vaisseaux de tête de Vandoul qu'on aurait accroché dessus. Bah ouais. Ah non, mais moi j'adorerais avoir, tu sais, un couteau Vandoul pendu au rétroviseur. C'est normal cette sortie là? Bah oui, puisqu'on arrive. Comment ça se fait que H il a encore 1 million de kilomètres?
J'en sais rien. Mais nous. Ah non, mais on est à Earl 1. Ah, on est à Earl 1. Ok. Bah, j'ai mal cliqué. Hey, on se calme, monsieur, on se calme. On se calme, tous deux aux bijoux. Moi, je crois que je suis en train de planter là. Je paie pas la balistique, t'inquiète pas, ça coûte pas cher. Ça doit faire mal quand même. Oh, j'ai un gros freeze, moi j'ai dû planter. C'est lâche. Il y a des pirates. Ouais, je suis là. On arrive sur le spatioport là. Ah mais c'est parce que j'ai dû quantum sur Earl 1 parce que c'était sur la même trajectoire. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça c'est la station justement. Mais qu'est-ce que c'est que cette station toute plate? Je l'avais jamais vue. Elle est bien celle-là, je savais plusieurs fois que j'attirais dessus. Méfie-toi parce qu'elle est immense. Et les portes d'atterrissage sont vers les antennes. Tu vois les espèces de grands pics. C'est oui, mais de toute façon, c'est pas là qu'on s'arrête, mais moi je recantoume pas tout de suite parce que je veux voir au moins. Arrête d'agresser ces pauvres gens. Tu crois qu'il y a des bonnes choses qui s'achètent que là-bas en plus? Elle est énorme cette station, elle est belle en plus. Mais voilà, je crois qu'en fait sa position est venue parasiter ma route. Attends, je m'arrête. Regardez ce liquide sur le mur. C'est moi! J'ai craché! C'est dommage qu'on peut pas faire exploser les astéroïdes. Ah, pas encore, mon ami, pas encore. Mais d'ici quelques temps, nous pourrons arriver avec des orions et leur défoncer leur gueule. Par contre, l'Orion, t'auras intérêt à remplir les 2500 SCU, hein, parce que... vu combien ça va te coûter de le sortir. On en parlait hier, on disait que l'idéal c'était qu'en fait il travaille 24 heures sur 24 avec les gens qui bougent mais qui alternent, mais qu'en fait jamais t'aies besoin de le ramener au garage. Bah, tu seras de toute façon obligé de l'emmener au garage ou au minimum de te faire ravitailler. Parce que il paraît que si j'ai entendu. Oui, t'en fais pas, Spock. Mais si j'ai entendu... si ce que j'ai entendu sur l'Orion est vrai, c'est il va falloir lancer des missiles dans les astéroïdes pour que tu fasses le sondage. Le sondage va fonctionner par missile. La première fois qu'ils avaient présenté le minage, ils parlaient de ça, effectivement. Donc si c'est toujours ça... Alors par contre avec les reflets sur le... T'es où toi? Je suis dans le vaisseau, je suis au pilotage. Ok. C'est bon, t'es dans le vaisseau? Ouais, je suis là, nickel. T'es là? On refait le coup ou pas? Tout le monde est posé? Ouais, tout le monde est posé encore. Je suis en train d'arriver au spatioport. Tetra aussi, il arrive, on arrive en fait. Ouais, je le vois. Spatio. Marc, faut mieux peut-être pas si vous voulez juste faire des achats, vaut mieux peut-être pas se déco tout de suite en fait. Quelqu'un qui veut tester après le pilotage du Hammerhead du coup? Ah c'est bon, j'ai déjà donné, c'est un gros veau là. Je testerai le pilotage du rétaliateur, moi je ferai. On va faire un échange de pilotage après. On va voir un petit peu comment il se comporte. Nyaou! Ce torpilleur. Nyaou! Bon, ça va être la couchette du capitaine, parce qu'il y a des petites têtes bleues, il y a un lit plutôt sympa. Il a une douche à lui, je crois. Putain, vous arrivez comme des balles. Non, ça a pas l'air. On était à une centaine de mètres seconde, merci. Enfin, oui, effectivement, une balle c'est 300. Et genre, plus tard dans le jeu, il y aura une persistance. Pendant 6 mois, j'ai un vaisseau, genre comme le Hammerhead. Et que j'ai, mettons, je suis une guilde, j'ai 80 packs avec moi. Et tout, je me déco. Ils peuvent garder les 79 packs ce vaisseau pour jouer? Je crois. Non, pas encore. Je suis enfermé dans la cabine du pilote, je peux plus sortir. Ah, j'ai pas coupé ni les moteurs ni.
Ah, ça buguait. Tu vois, le serveur, il doit bugger. Moi, je fais une petite AFK le temps que vous fassiez vos achats, alors. Engines offline. Qui c'est qui va te parler? C'est qui son pseudo? C'est Gratix, ouais. Gratix, tu veux essayer le pilotage du Hammerhead après? Non, non, mais je connais. J'ai déjà piloté ce genre de fer à repas. C'est un peu ça. Hein. Merde, il va pas détecter le vaisseau. Hein. Moi, en fait, regarde le Raygun. Moi, je veux qu'il y ait plein de tourelles. Viens, on peut tirer dans l'espace avec nous. Il y a plein de tourelles dans la Hammerhead, il y a que ça. Ah, vas-y, viens, vas-y, passe. On va tirer sur les torpilles, tu crois que ça pète? Imagine, ça pète. Non, voilà, voilà. Exactement. Ah! Je vais me mettre dans le lit de mon vaisseau pour rester au spatioport. Ah bon? Je disais que j'allais. Ça ne marche pas. Faut pas se mettre dans les lits dans les spatioports, attention. Ah merde, oui, s'ils font déconnecter le vaisseau, ça va pas le faire. Ça bug après. Ok, je ressors. Ah, il manque une arme. Oui, moi aussi, j'ai pas ma... Ah, si, voilà. Ah, d'accord, c'est en appuyant deux fois sur deux que tu sélectionnes l'autre arme. Ouais, mais moi, j'ai une arme qui veut plus. Elle veut plus sortir. Tetra, il est déjà sorti aller chercher son Hammerhead. Je suis en train de négocier, mais le gars il veut pas me faire 5%, alors je crois que je vais pas le prendre. Et en plus, il est en train de négocier le prix. Il s'est fait 10 millions juste en suivant un type, et en plus. Bon, ok. La trappe veut pas me laisser rentrer, pas grave. Bon, pourquoi je peux pas me prendre autre chose que mon railgun? Bon, essayons de rentrer dans le vaisseau sans nous écraser comme un caca humain. Et c'est qui va s'acheter un M50? Et c'est qui va le perdre dans 2 semaines? Mais c'est pas faux. C'est donc vrai. Et voilà, et je vais aller chercher un prospecteur. Parce que jouer avec son gameplay. Putain, pauvre moi, je l'ai à vie. J'aime pas du tout cette arme. Laquelle? Qu'est-ce que c'est? Mais arrête d'abîmer le vaisseau. Je tire dedans, regarde. C'est une batteuse en fait. Oui, c'est un truc laser. C'est une SMG laser. Moi, ça, c'est pas quand même 2 millions hein, le prospecteur. Il y a pas d'autre que style de tir avec ça. Salut. Yo. Non, c'est nul. Non, parce que je viens de croiser. Oh la vache. Ah, c'est spécial. Ça s'appelle un Vanguard en achat. Il est aussi, mais il est pas sur cette planète. Il est sur. Je crois qu'il est sur la même planète. Ou alors il est en location. Mais t'es où? Oh, tu vas toucher, fais gaffe. Non, mais tu vas tuer. Non, c'est pas ça. Non, bah, mais non. Si, tu m'as mis une tête. C'est quoi ça? C'est une vue de l'esprit. Normalement, le hoplite il se vend à l'orbite. Attends, cher, méfie-toi. Ah, je préfère Hangar 5, hein, départ à Madrid, Hangar 5. Le temps que je trouve où c'est. Dans le vaisseau. Ah. Oh, merci encore beaucoup, Spock, ça fait plaisir. Hein? Ça fait plaisir, Cyber. Ah, bah, d'accord. Y'a pas une console d'achat Il doit avoir normalement, hein. Est-ce qu'il n'y a pas tous les vaisseaux en. Bah ouais. En présentation là. Ah si, c'est bon, j'ai tout. Spock, regarde. Attends, je suis en train de déséquiper ça, je suis en train encore, j'en ai une autre. Pourquoi je peux pas la prendre? Ah oui, ah, d'accord, il est affiché, mais ça me dit que j'en ai pas, d'accord. Et H?
Vanguard, 3 millions. Ah, oh, ça va. Ah, il y a le Optil. Attends. Faut prendre lequel? Regarde. C'est rigolo. H, ta combinaison, elle va bien. Ah oui. On voit le baril. Ouais. C'est le Warden qu'il faut prendre ou l'autre? C'est le Warden. Le Warden pour le combat. Tu as fait la celle-là, je l'ai bien regardé. Tu fais. Regarde l'animation, elle va charger. Allez. T'as vu, elle s'ouvre. Ah ouais, c'est une. Quand je relâche ça. Vas-y, refais que je le regarde. Fais gaffe parce que si je lâche, ça tire. Ça fait une grosse rafale. Ah bah. Attends, je refais. Ah, oh, il y a le freelancer max. Allez. C'est bizarre. Tu vois, coup par coup, ça fait ça. Si je reste appuyé, ça charge. Ça fait ça. Et aussi, non. Classique. Elle est pas mal aussi, la tienne. C'est une F55, je crois. Elle a une bonne cadence de tir, j'ai l'impression. Par contre, est-ce qu'elle est utilisée? Non, elle te fait valdinguer dans tous les sens. Hein. Ouais, quoi, le même, ce que j'aime, c'est qu'elle est précise. Ok, j'ai une question. Comment est-ce qu'on rentre dans le Hammerhead? Je trouve pas. Par en dessous, ça c'est sûr. Par en dessous, c'est deux élévateurs. Ils sont sur les côtés droite et gauche. Je dirais vers le milieu. Un truc du genre. C'est. T'es quel hangar? Hangar 5. Bon, par contre, faut fermer la salle des torpilles. Hein. Le vaisseau est en train de se vider de son oxygène. Et parallèlement nos combinaisons. Comment on fait ça? Bah, je sais pas. C'est toi qui les as ouverts, non? Non. Bah, c'est pas moi qui les ai ouverts non plus. C'est ouvert ou c'est fermé là? Ah, c'est ouvert encore. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Ah, c'est bon, t'as trouvé. Je crois que ça s'ouvre tout seul dès que t'as les armes activées. Je crois que c'est ouvert sur la planète. Ah, ça est bon, c'est. C'est fermé. Merde, je suis con. Heureusement qu'on a notre champ gravitationnel à nous, hein, parce que sinon, ce serait gerbant. Salut le mec, chérie, je t'invite chez Mac Gerbal. Mais chérie, et ton patron? Mon patron, je m'en fous, je t'invite chez Mac Gerbal. Ça, je me rappelle plus dans quoi c'est ça. C'est un truc des inconnus. Je crois que c'est là où il y avait toutes les pubs à la radio là. Je vois que je suis toujours au sol. Je suis dans le Hammerhead. Alors, non, saute pas. Je ne saute pas. Tétra. C'est quoi ce bordel? Ah, c'est un sas avant en fait, ça s'appelle. C'est pour justement quand les gens sont dans les tourelles, faut pas qu'ils sortent. Parce que sinon, ils tombent dans l'espace. Voilà. C'est un petit truc à savoir. En fait, ce sas, c'est très simple. Tu le blindes, tu le surblindes à l'avant. Comme ça, tu fonces dans les mecs, tu défonces le blindage, et puis après, tu l'ouvres pour faire débarquer les troupes. T'imagines? Donc nous, on a un problème, c'est que notre soute a torpillé. Non, non, elle s'est réouverte. Et du coup, faut peut-être que j'arrête le ship. Si j'arrête le ship, peut-être. Ah, c'est ça. Oui, voilà. Mais le problème, c'est que je perds mes boucliers, là. Bon, on s'en fout, qui nous attaque? Bon, je prends la place du pilote ou Non, toi tu prends la place du mort. Sinon, je sais pas, tu l'as pas trouvé la salle toi? Je cherche. Tu sais qu'il faut que je descende, c'est en dessous. Alors, tu vas là où il y a le sas, le nez. Derrière, il y a un escalier. Enfin, il y a un ascenseur. Et tu l'appelles, tu descends et tu seras dans la salle de montage. Tu l'appelles, tu fais oh là, ah mais t'avais piloté avec les moteurs à la verticale? Je l'ai piloté Vanilla moi, et comme il a spawn.
Eh oui, t'as laissé les réacteurs... Ils spawnent comme ça, ouais. Je sais qu'il faut appuyer sur J, mais... Voilà, il y a plus de maniabilité normalement. Sinon, il y en a qui sont dans le menu. Qui a... Ouais, bah on va se regrouper, non? Yes. Ah, t'es en place, bah vas-y, tu colles. Décolle, t'inquiète. Moi j'ai tout le temps pour le piloter, j'ai acheté, t'inquiète. Je vais me mettre une toile. Ok, alors c'est parti, on se déco. Faut mieux sortir du vaisseau pour se déco ou pas? Bah si t'as un lit dedans, non. Si tu t'es posé, t'as pas besoin. Mais je suis dans la merde. Ah, on se déco tous là? Ah bah y'a des lits hein, dans la merde. Ouais mais faut qu'on décolle. Ouais mais on est dans la gare. Bah sortez, allez en atmosphère et mettez-vous dans les lits quoi. Pas en atmosphère, faut aller hors de l'atmosphère. Sinon on va tomber comme des pierres. Si vous êtes à leur ville, restez à leur ville, comme ça on spawn tous au même endroit, on prend le même vaisseau. Bah là on est à... Oui voilà, nous on est en atmosphère, tranquille. On est autour de Hurston. On est en atmosphère, tranquille à l'ancienne, à manger des chips à l'ancienne. Moi je me suis déco. Ok, bah j'arrive, je vais me mettre dans un lit. Et... J'ai pris le lit du pilote. Alors il faut que je les trouve, mais je vais faire ça. Moi ouais, je me mets dans une boîte à sardines. Ouais, il y en a à l'étage. Ah, j'ai trouvé la chambre du capitaine, parfait. Gradix, je t'invite, j'en profite au passage. Ok. JFK, juste 30 les gars, secondes. On va sortir.